bande de bouffeurs de salade. Avec les démons, on apprend en s'amusant. Amuse-toi, j'ai dit. Voilà. Là, on s'amuse. Aujourd'hui, on va apprendre à faire la guerre. Pour faire une salade elfique, il vous faut de la salade, de noix, de la salade, des carottes, de la salade, et l'ingrédient mystère, une tarouse d'elfe. En revanche, pour faire une guerre, il vous faut un adversaire démoniaque, une armure en mithril, une bonne vieille hache des familles, une grosse paire de boules et une stratégie. Mais non, je taquine, la stratégie, c'est pour les tarouses. Il y a un proverbe nain sur la guerre qui dit « Plus ça commence fort, plus le sang va couler. » À moins que ça ne soit à propos des hémorroïdes. Bref, pour montrer à votre ennemi qui a la plus grosse pioche, vous pouvez lui appeler tous les gens que vous avez tués. Zandur, Azag le Perforateur, Luen Lannister, Blanche-Neige... Ça me chagasse. T'avais pas le droit de me tromper avec Grèche. Ça calme, hein? Si vous avez une perle de boule plus grosse que les cloches de Gratentour, vous pouvez directement sauter d'un aigle en vol en plein milieu du champ de bataille. Sinon, vous pouvez rester sur des techniques plus conventionnelles de bourrinage rapproché. Tagazog sur ta famille, fils de Gaune! Une fois que vous aurez collé une belle branlée à votre adversaire, n'oubliez pas de bien l'humilier. Ta mère, elle est tellement grosse que même les elfes, que même les orques, que même... Les vrais guerriers fêtent toujours leur victoire avec leurs compagnons. Mais attention, l'abus d'alcool peut nuire très gravement à la santé. Alors pas plus de 12 tonnerées de bière par personne. Je suis pas bourré. Et voilà, vous êtes fin prêt pour aller casser la figure à triple face. Allez, moi je vous laisse, faut que j'aille tabasser les elfes. Carnage et volupté, je vous aime, Baldoul. Dorakir!